Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire quelque chose un peu plus différent sur cette chaîne, mais qui me tient aussi vraiment à cœur. C'est regarder les ventes aux enchères immobilières. C'est quelque chose qui peut être très intéressant si on peut du coup s'y intéresser de plus près, parce que c'est il y a moyen de gagner, je sais pas, entre 15 et 20, 25% sur un achat. Donc, du coup, ça peut être quand même très intéressant à voir. Voilà, si tu cherches acheter ou si c'est quelque chose qui te plaît pour du coup investir, c'est quand même intéressant à regarder de plus près. Donc, c'est des appartements ou des maisons, des terrains, il y a de tout, des choses qui sont saisies en fait en justice et qui du coup bah, sont mises sur une place de marché, que ce soit en ligne, que ce soit sur du coup des juridictions, il faut aller au tribunal, il faut aller voilà, représenté ou non par un avocat, c'est toujours marqué sur l'annonce. Et des fois, bah, les mises à prix sont très très basses et ça peut être très intéressant de se positionner. Mais par contre, il faut savoir que bah, après dessus, il faut rajouter les frais d'avocat, il faut rajouter plusieurs choses parce que voilà, c'est pas juste le prix de l'enchère. Mais très souvent, il y a quand même moyen de gagner de l'argent par rapport à un achat dit plus classique. Donc voilà, on va regarder un petit peu ça. Moi, j'aime bien, je vais sur le site. Il s'appelle Licitor. Donc là, je suis dessus. On va juste regarder un petit peu comme ça ce qui se passe. Et puis voilà, pour jeter un petit coup d'œil. Je vais aller, voilà, moi je suis sur je suis sur Lyon. Là, on va regarder donc, du coup, ce qui se passe. Tribunal de justice de Lyon. Regardez ce qu'il y a. Par exemple, donc, ça se présente comme ça. Un hôtel professionnel ou commercial, trois parkings en copropriété, qui est occupé, mise à prix 40 000 euros. Si là je vais voir à Lyon 7, si là je vais voir un local professionnel à Lyon, tout de suite, je pense que c'est un petit peu plus de 40 000 euros. On pourrait regarder là tout de suite, j'ai pas le temps, mais ça va être plus que ça. C'est marqué qu'il est vendu aux enchères en un seul lot, donc c'est tout ça, le 14 avril à 13 h 30. Donc voilà, donc ça peut être intéressant. Par exemple, si tu veux un local commercial à Limonest, il y a un appartement à 50 000 euros, mise à prix 50 000 euros. Il y a des plans, il y a tout ça, enfin, voilà, il y a vraiment tout, c'est tout accessible. Après, c'est quand même plus cher, une parcelle de terrain à Grigny, 220 000 euros. Ils auront, ça c'est quand même beaucoup plus loin, 380 000 euros, bon, ça c'est trop gros. Qu'est-ce qu'on a vers Grenoble? Grenoble, par exemple, il y a un studio de 20 mètres carrés à 10 000 euros. Donc le 12 avril à 14 h, studio, premier étage, 10 000 euros dans l'immeuble. Donc qu'est-ce que c'est écrit pour une visite sur place le lundi à 14 à 15? On peut afficher le plan. Et là, c'est pas vente aux enchères publiques. Donc c'est pas écrit s'il faut un avocat ou pas. Grenoble appartement, première porte à gauche, 75 000 euros, inoccupé. Visite sur place, donc là c'est tout écrit, à chaque fois il y a le contact, c'est des avocats, ok. Et là, une maison avec garage, terrain, 20 000 euros. Je peux aller dessus, voilà. Une maison avec terrain et garage, 20 000 euros. Voilà, des fois, ça peut être très intéressant. Après, il faut savoir aussi regarder et savoir ce qu'on veut parce que sur Saint-Étienne, bon là, c'est vite cher. Je vais essayer de trouver des trucs, genre à des prix indécents. Ce qu'il y a. Un local commercial à 25 000 euros à Saint-Étienne. On va aller voir les autres villes. Si je trouve des choses, je vais rester quand même autour de chez moi pour voir. 120 000 euros. 20 000 euros une maison. À Mâcon. 50 000 un immeuble comprenant un bar, une grande salle de cuisine, un coin de plonge, un coin de préparation, des repas, appartements, une inde, deux chambres, second appartement, une pièce à vivre d'eau, un grenier. Des trucs comme ça, moi je trouve que ça peut être super intéressant.
Le mardi 10 mai, salle d'audience décriée. 50 000 euros. Qu'est-ce qu'on a? Sens. Un immeuble. Un immeuble 111 mètres carrés, 10 000 euros. Ce bien était précédemment adjugé à la somme de 39 000 lors de l'audience du 9 mars. Donc lui, il a déjà été vendu 39 000 euros. Un immeuble de 111 mètres carrés, comprenant un niveau, côté ion, deux paliers, sol, cave, premier étage, en terrasse, nanana. Une maison d'habitation. Bon, après, on est quand même plus loin à Sens, mais il y a des trucs, c'est vraiment, vraiment pas cher. Ok. Ok, la Bourgogne, ok. Bourgogne, Pyrénées, si on va un peu dans le sud. Est-ce que c'est plus cher dans le sud? 44 000 pour un appartement avec une cave de parking à Marignane. Hop, Marseille. Marseille, un appartement, 16 000. 16 000 euros un appartement, Marseille 15e. Après, je connais pas Marseille, je saurais pas dire si c'est bien ou pas. Tribunal de justice. Surenchère. Marseille 14. 3 000 euros. 3 900 euros en studio. Moyen de trouver des dingues. Donc voilà. Et alors après, ici. Enfin voilà. Donc pour dire, voilà, il y a moyen de trouver des trucs sympas. Et ici, il y a les résultats. Donc ça, c'est des trucs qui ont déjà été vendus. Suis toujours sur Marseille, là. Ah, d'accord. Bon, attends, je vais retourner sur Lyon, alors. Rhône-Alpes-Lyon, résultat. Résultat. Je suis dessus, oui. Donc, un appartement. Ah, d'accord. Il a pris 50 000, mais on n'a pas le résultat. Ah, bah, j'ai pas les prix. Inconnu, inconnu, inconnu. Non, mais d'accord. J'ai pas un résultat en fait. Annecy. Ah, mais c'est toujours marqué inconnu. Moi, je veux savoir combien ça se vend à peu près. Là, il y a les mises à prix. Savoir si vraiment ça monte. Ok, bon, on n'a pas les résultats de. On n'a pas les résultats des adjudications. C'est dommage. Méditation. Je peux pas changer. Non. Comment je pourrais faire? Ah! Et non, si je change la date, ça ne donne pas autre chose. Non, bon, j'aurais pas, c'est pas grave. C'est pas grave, tant pis, je saurais pas les prix. Je ne saurais pas les prix. Bon, donc voilà, comme il y a quand même des choses à vendre. Maintenant, il faudra voir si ça double ou si ça fait un petit peu. Si ça monte un petit peu, quoi. Inconnu, inconnu, inconnu. Bon, je sais pas. Bon, bah voilà, c'est quelque chose que je voulais vous présenter. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je pense que je vais vraiment me repencher dessus. Parce que c'est quand même intéressant. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Voilà. N'hésite pas à regarder, à me dire ce que tu en penses. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser toi aussi. Je te dis à bientôt.
N'hésite pas à t'abonner.